Bună seara, dragii mei, și bun găsit în acest început de primăvară frumoasă. Aducem în fața domniilor voastre un ghiocel, o rază de soare, un strop de speranță care se intitulează La Vie en Rose. Este vorba despre emisiunea care se va difuza în fiecare vineri de la orele 17 aici pe TVR1 și care își propune să vă readucă zâmbetul, să vă facă să trăiți frumos într-o lume în care cuvântul criză și grijile de zi cu zi au atins cote insuportabile. Să învățăm să trăim din nou, să iubim, să învățăm să ne bucurăm de fiecare clipă și să credem în divinitate, să credem că Dumnezeu nu ne-a uitat și că vom reuși prin forțele noastre. De ce La Vie en Rose? Pentru că Bucureștiul a fost odinioară micul Paris. Și noi credem că va putea redeveni. Împreună îl vom reconstrui, întorcându-ne la valorile reale și învățând din experiența strămoșilor noștri. Seria emisiunilor La Vie en Rose nu putea începe decât într-un singur mod, mergând la origini, adică la Paris. Veți vedea în cele ce urmează un interviu de colecție cu tatăl președintelui Franței, domnul Paul Sarkozy. O personalitate extraordinară, un pictor extrem de talentat și un om cu niște calități deosebite pe care sunt convinsă le veți aprecia în cele ce urmează. Interviul a fost realizat la reședința domniei sale din inima orașului Luminilor. Așadar, doamnelor și domnilor, să urmărim La Vie en Rose într-o ediție specială cu domnul Paul Sarkozy. Bonsoir, monsieur Paul Sarkozy. Bonsoir, monsieur. Je veux commencer par dire que je suis extrêmement honorée de m'avoir reçue dans votre maison, pas seulement moi, mais aussi pour les téléspectateurs roumains, à côté de votre ami Prince Paul de Roumanie, qui est aussi mon ami, il est l'ami des Roumains. Alors, comme je vous disais qu'avec Paul, on se connaît depuis quelques années, et le courant s'est passé très vite entre nous trois, aussi bien sa charmante femme, et on est devenus amis très rapidement. Et à toutes les occasions, si on peut, on se rencontre. On a participé à la plupart de ses vernissages, quand on peut. Oui, quand ils peuvent, quand ils viennent très gentiment à Paris. À Bruges. Ils étaient à Bruges, ils étaient au Petit Palais, quand il y avait l'Espace Cardin aussi. À l'Espace Cardin aussi, à Paris. Donc, très gentiment, il nous suit très souvent à nos expositions que nous faisons avec Werner Herzog. On va voir toutes les œuvres que vous avez dans votre maison. Mais pour entrer dans votre monde, je vais vous demander que vous inspire dans votre art. C'est votre vie, ce sont les personnes qui sont autour de vous, les expériences vécues. Qu'est-ce que c'est la source de votre inspiration? Notre premier devoir, c'est défendre les femmes, je crois. Et les femmes jouent une importance dans notre peinture. Et notre peinture ne s'adresse pas uniquement aux yeux, aussi parce que chaque peinture raconte une histoire. Alors, qui peut être une histoire personnel, un drame, ça peut être l'amour, ça peut être malheur, une malheur qui est arrivé dans votre vie, mais la vie continue. Donc il y a toujours, la plupart du temps, il y a une histoire que nous racontions, et il faut regarder le tableau pendant longtemps pour le comprendre et l'interpréter, ce que nous voulions exprimer avec ce tableau. Parce que vous avez dit malheur, ça peut être aussi bonheur, ou un peintre, un artiste doit être malheureux, doit souffrir de l'amour pour créer le mieux de son... Non, pas du tout, je ne crois pas. Ça n'a rien à voir avec notre malheur ou avec notre bonheur. On a notre vie qui est complètement à part. Vous savez, la peinture, c'est une passion. Nous sommes des artistes et ça nous préoccupe. On dort avec, on vit avec... On passe notre journée avec, et avec Werner, on se connaît depuis 38 ans, c'est un vieux ami. Alors d'abord on cherche un sujet, on cherche une idée, et une fois que l'idée est trouvée, et nous sommes d'accord tous les deux... Mais vous travaillez ensemble en cherchant l'idée, ou vous travaillez... Non, mais ça arrive que Werner a une idée, il vient me le dire, ou alors c'est moi qui ai une idée, ou on trouve une idée ensemble. Vous savez, c'est pas... C'est pas comme ça. C'est
difficile, c'est pas mathématique. On le trouve de temps en temps. Et ça m'arrive que je me réveille la nuit avec une idée, je le note tout de suite, parce que si je le fais pas, on oublie le lendemain. Et alors, ça n'a pas d'importance qui est-ce qui trouve l'idée, parce qu'une fois l'idée trouvée de base, il faut le travailler. En ce moment, on travaille pour la Russie, parce que pour chaque exposition, on arrive toujours avec deux, trois nouveaux tableaux. Comme on doit avoir une grande exposition en Russie l'année prochaine, mais nous sommes en train de travailler, et c'est assez difficile, parce que la susceptibilité des Russes est une chose très importante. Alors on a trouvé une idée sur Rasputin, avec les babouchkas, il devient jongleur, et il y a des personnages, des tsars, des tsarines. C'est un peu notre sujet, non? Vous faites... Il y a un sujet, voilà. Vous faites pour chaque pays, vous faites quelque chose de spécial, comme vous avez fait pour l'exposition de Dalí, vous avez fait... Bien sûr, on a fait deux portraits de Dalí. Quand nous sommes en Espagne, on a fait la tauromachie plusieurs fois, mais en Espagne, on s'est moqué sur chacun des tableaux un peu des machos, qui étaient les toréadors, et nous avons fait trois, quatre tableaux, je crois plutôt quatre que trois, qui ont eu beaucoup de succès, parce qu'il y a des tableaux où on les a tous vendus, il n'y en a plus. Vous n'avez pas... Vous n'avez rien de... En fait, vous savez, c'est comme dans la sculpture. Dans la sculpture, vous avez toujours huit originaux. Quand vous faites n'importe quelle sculpture, on considère que les huit premiers sont les originaux. Pourquoi cette chiffre? Pourquoi huit? Mais c'est ça, c'est dans les mœurs qu'on fait huit tableaux, huit sculptures. Et nous, aussi? Nous faisons que six tableaux. Pourquoi? Parce que on trouve que six. C'est un numéro plus exclusif. Spécial. Non. Plus exclusif, non? Le moins, pas trop de tableaux, parce que. Pas les de gens... trop de tableaux. Alors on a fait que six. Et d'abord, c'est pour démocratiser les prix. Parce qu'il faudrait qu'on demande six fois le prix d'un tableau. Et vous savez, six tableaux pour plus de 7 milliards de personnes dans le monde, ça sera bien rare s'ils se rencontraient quelque part. Mais s'il sera quelqu'un passionné qui voudra le septième tableau, vous le ferez ou pas? Mais non, on ne peut pas. Vous ne on pouvez peut pas. Pas. On fait six tableaux et le septième n'existe pas parce que... tout le fichier est détruit, il n'y a pas un septième tableau. Ah, c'est ça, vous dites. Il y a, si vous voulez, des hors de commerce, un tableau pour Werner et un tableau pour moi. Alors, bien, c'est hors de commerce qui n'est pas vendable et il n'a pas de certificat. Quand tous les tableaux, il y a un tampon derrière qu'on ne peut pas les vendre sans certificat et ils sont numérotés de 1 à 6. J'ai un très beau tableau avec le certificat. Vous l'avez... Que j'ai acheté. Très beau tableau, là, une femme dans un arbre. C'est très... Vous voyez qui se trompe là. Oui, avec l'arbre très galant qui tient un parapluie. Mais que signifie... Faut faire attention à... Oui? Que signifie ce tableau que Prince Paul a acheté? Non, c'était l'hiver. C'est les quatre saisons. Ah. Alors, nous avons fait un tableau sur l'hiver, sur l'automne, sur l'été... Sur le printemps, on voulait faire les quatre saisons, et celui-là, que. Et le mien est romantique. Il n'y a pas un message. Que il n'y a Paul pas un nous message. A acheté. Si, il y a aussi un message, mais c'est un peu caché. Vous ne pouvez pas. Il faut le trouver. Il faut le trouver. Vous l'avez trouvé, Prince Paul? Oui, je pense que oui. Mais c'est pour ça que le tableau m'a charmé, parce qu'il est aussi assez. Un thème romantique aussi. Moi aussi, j'aime les femmes. Mais c'est une normal. Seule, mais une seule. Mais une seule, naturellement. Une seule, ma femme, Lia. Il n'y a pas d'autres femmes comme Lia. Mais... mais j'aime bien le sujet des femmes. Je pense que c'est très, vous, un très beau vous sujet. Vous aimez l'éternel féminin, voilà, peut-être. Voilà, voilà. Mais les femmes sont plus intelligentes que les hommes. plus en plus, quand vous regardez dans les écoles, les premiers, c'est toujours les jeunes filles, les cinq premiers. Mais bientôt, dans quelques années,
C'est nous, les hommes, on va se battre pour qu'on partage le travail 50% pour les femmes, 50% pour les hommes, et ça va venir très vite. On a des présidentes maintenant qui sont des femmes. Oui, Argentine, voilà, l'Argentine. Elle vient de... C'est oui. L'Argentine, même en Allemagne. Le Premier ministre qui dirige tout l'Allemagne, Merkel. Ça nous amène à la prochaine question. Comment vous voyez la femme, l'éternel féminin? Comment, après vous, la femme doit être comment? Elle doit être indépendante, elle doit être obédiente à son mari, à son partenaire de vie. Comment vous voyez? Mais écoutez, c'est pas moi que, comme je le vois, c'est l'évolution. Les femmes sont devenues complètement indépendantes. Ils travaillent, ils gagnent leur argent, ils dépendent plus de son mari, ils font les enfants beaucoup plus tard, quand ils font, souvent ils ne le font pas. Donc il n'y a plus du tout ce rapport qu'il y avait dans ma jeunesse ou chez mes parents, où tout le monde dépendait du père, qui était le chef de la famille. Maintenant, les hommes changent des couches, donnent le biberon au bébé, et la femme, quand elle veut partir, mais elle s'en va, elle est indépendante, aussi bien moralement que financièrement. Donc, je vous dis, il y a que finalement des femmes qui vont nous diriger. Et comment vous trouvez-vous ça? Parce que vous êtes, votre ami m'a dit que vous êtes taureau. Mais je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. C'est tout à fait normal. Et surtout, dans tous nos tableaux, dès le moment qu'il y a un homme, on se moque toujours un peu de l'homme. Des machistes, on n'aime pas du tout les machistes. Nous sommes taureaux tous les deux, mais ce n'est pas pour ça que... On ne reconnaît pas les supériorités des femmes. J'ai vu le tableau avec la femme qui parle et le mari qui est comme ça, il ne parle pas. Le mari, mais... c'est moi. Alors vous voyez, c'est un autre portrait. C'est ma femme qui crie. Elle est à moitié autre. Et moi, l'oiseau derrière, il a un grand ficelle sur la bouche. Oui. Et il n'a pas le droit aux paroles. Voilà. Mais il attend, il entend à la même parce qu'il est, il n'est pas, il est derrière. Il se tourne le dos. Il se tourne le dos, mais ils font qu'une seule personnage parce qu'ils sont mariés. Je voudrais vous demander depuis combien de temps vous faites, vous peintez, vous faites ça. Mais vous savez, j'ai toujours peint. Quand je suis arrivé en France, j'avais 20 ans. Et je suis arrivé en 48, 49, 50. Je vivais de ma peinture. À cette époque-là, il n'y avait pas l'outil que nous avons aujourd'hui. Les ordinateurs, ça n'existait pas. Finalement, l'ordinateur nous sert de pinceau. Mais j'ai commencé comme peintre pendant... comme enfant, je faisais des sculptures aussi. Et beaucoup de dessins et des tableaux. Et j'ai gagné ma vie avec ça. Je faisais des portraits. J'ai trois tableaux encore de 1949 et 50 qui me restent ici. C'est ça que je voulais vous demander, si vous avez gardé... Il me reste encore quelques-unes. Il me reste un portrait. Il me reste Montmartre que j'ai peint. Et il me reste un autre tableau, c'est des... comment les Hongrois sont arrivés en haut, voilà. Et vous avez vécu de votre peinture? Et j'ai vécu à cette époque-là avec ma peinture, et j'ai monté des affaires de création publicitaire. J'avais deux affaires différentes, mais je faisais que la création. Je tournais les films, j'ai fait des storyboards en les dessinant, je faisais des textes, j'ai tourné les films et j'ai vendu le Copie Zéro, où je faisais des campagnes publicitaires avec des peintures ou avec des dessins. Et une fois que c'était terminé, je donnais à l'agence de publicité ou aux clients
Et c'est lui qui s'en occupait de les imprimer. Je m'occupais uniquement du côté artistique. Vous avez laissé un peu le business, vous avez retrouvé... Non, je faisais uniquement le côté artistique et le côté marketing. Je trouvais des nouveaux produits que je vendais aux clients. Je les illustrais, mais le côté commercial, je ne m'en occupais jamais. Donc j'ai toujours resté dans le milieu comme métier, toujours le pinceau et le crayon. Vous pouvez me dire où vous croyez que vous avez le plus grand succès comme pays. Je sais que vous avez été en Cairo, Marrakech, n'est-ce pas? On était à Budapest, on était en Espagne, à Madrid, on a fait plusieurs expositions à Madrid. Amsterdam aussi, on n'a pas pu aller malheureusement. On était en Hollande, à Amsterdam. Bien sûr, le plus de succès que nous avons chaque fois, c'est quand on fait une exposition à Budapest, parce que à Budapest, on me connaît beaucoup et je suis très bien reçu par le gouvernement. C'est là que vous avez senti... Mais vous savez, je suis d'origine hongroise, et je suis venu de Hongrie en France, et je suis français que depuis 1976. Quand le président est né, son père était apatride et sa mère était française. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de France que la première génération d'un apatride devient le président de la France. En cette posture d'être le père du président de la France, comment vous vous sentez? Vous vous sentez un peu obligé? Vous sentez une responsabilité? Ou vous êtes un esprit libre et vous êtes des raisons de sécurité, choses comme ça? Je vous dirais que moi, personnellement, je n'ai jamais fait de la politique. Alors, les décisions, c'est Nicolas qui les prend, bien sûr. Et il y a un tabou dans la famille. Quand nous sommes tous ensemble, on parle de tout sauf de politique. Parce que c'est lui qui prend les décisions avec beaucoup de courage. Il a fait des lois que les prédécesseurs n'ont pas osé de faire. Et c'est ça ce qui me plaît justement dans mon fils comme président. Vous savez, être un homme politique, c'est une vocation. Les prêtres aussi, c'est un métier de vocation. C'est pas pour le pouvoir, c'est pas pour devenir riche. On sert son amour. En conséquence, son amour, c'est la France, bien sûr. Et avec les retraites, malgré toutes les manifestations que nous avons faites, il les a imposées. Il n'a pas du tout. Il ne fait pas la présidence pour être élu une deuxième fois. Il fait la présidence pour faire tout ce qu'il peut pour la France, pour moderniser la France. Et je trouve qu'il va entrer dans l'histoire parce que c'est le premier président dans la 5e République qui ose faire des choses où le peuple est contre. Je vois que vous êtes fier qu'il n'a pas cédé, qu'il a été très fort sur sa position. Mais bien entendu, parce que tout est payé dans l'Europe. La retraite à 67 ans, c'est une chose très importante. Comme nous vieillissons de plus en plus, et il y a un déficit énorme en France, et chaque grève, je ne veux pas dire de bêtises, chaque jour de grève coûte des centaines de millions à l'État et à la France. Alors ça, chaque jour de grève appauvrit et endette encore plus la France. Je vois ici, les téléspectateurs peuvent voir aussi, c'est une photo de vous avec le président de la France, et là, c'est un tableau. C'est un tableau. Vous savez, il m'a fait le plus joli cadeau d'anniversaire il y a 2 ans, quand il y a eu des élections. Il était élu
On était ensemble, bien sûr, toute la journée, et on a dîné ensemble. Et mon anniversaire est le 5. Et il était élu... 5 mai. Et il était élu président le 6 mai. Oh, c'était le plus... Et l'après-midi, déjà, à 3h30, on avait des sondages. On avait des sondages de sortie d'urne. Donc, à partir de 3h15, 3h30, on savait que c'est lui qui était élu. Et je sais, vous m'avez dit que vous avez fait aussi une peinture de sa femme, Carla Bruni. Alors, on a fait... Non, on a fait, c'est pas moi. On a fait avec Werner. Les deux tableaux, c'était leur cadeau de mariage quand ils se sont mariés. On a fait un portrait de Carla et on a donné, c'était mon et notre cadeau pour le couple présidentiel. Voilà. Dites-moi, quand vous aviez 20 ans, vous avez dit que vous êtes venu à Paris. Oui, je suis arrivé de la Légion étrangère. J'étais à Marseille et je suis arrivé exactement en décembre. En décembre, le 3 décembre, j'ai couché sur la place d'Étoile, sur le bouche de métro. Voilà. Et à ce moment-là, vous avez rêvé que vous serez un jour le père du président de la France? Non, pas une seconde, vous savez. C'est, là, mon problème, c'était de trouver un toit et trouver un travail et survivre. Et je crevais de faim. Mes pensées allaient facilement. Si ce n'est pas difficile pour vous, vous pouvez me dire dans quelques mots comment vous avez fait de vous enlever de la place de... comment vous avez de dit... De clochard. Oui. Mais en travaillant, vous savez, à cette époque-là, c'était le plan Marshall. Oui. En 1948, c'était le plan Marshall qui a sauvé d'ailleurs l'Europe. Et c'était très facile à trouver un travail. J'ai trouvé un travail dans les 10 jours qui suivaient mon arrivée. J'étais pas habillé parce que j'étais en short, mais c'est toujours en plein hiver, c'est toujours les pauvres qui sont les plus généreux. Et la communauté hongroise, réfugiés, il y avait pas mal de réfugiés, il y avait quelques centaines de réfugiés à Paris. Et le lendemain que je suis arrivé, j'étais habillé. Et j'avais un pantalon, j'avais un veste, j'avais un manteau. C'est uniquement, j'avais un problème avec les chaussures. Comme j'ai les pieds très grands. C'était le 3 décembre. Ce fameux plan Marshall que la Roumanie, malheureusement, n'a pas eu. Parce que les Américains avaient proposé le plan Marshall pour la Roumanie, Staline l'a refusé. Et la Roumanie a beaucoup souffert après la guerre. Mais cause la Hongrie aussi l'a refusé. Il a refusé pour eux aussi, pour la Hongrie aussi. Mais c'était fait surtout pour l'Allemagne, pour les pays perdants. Pour l'Allemagne, pour la France. La France qui a gagné la guerre tout de même, pour l'Espagne, etc. Et il y a eu une expansion, c'était extraordinaire, de 10% de PIB tous les ans, c'était formidable. Et donc, vous étiez sans chaussures, n'est-ce pas? J'étais sans... Chaussures. Vous avez dit que vous avez eu un problème avec les chaussures. Ah oui, j'ai eu des problèmes des chaussures parce que un des garçons, qui n'était pas mon ami, il avait deux paires de chaussures, une pour l'été et une pour l'hiver. Alors comme on était en hiver, il a gardé celle d'hiver. Il m'a donné ses chaussures d'été, mais comme il chaussait de 41, c'était impossible que je puisse le mettre. Alors j'étais obligé de couper les bouts des chaussures qui sortaient, mais j'avais tout de même des chaussures à mon pied. Alors je ne sais pas, parce qu'il y a un fameux tableau de Magritte, justement, où les doigts de pied sortent de la chaussure. Oui. Alors, je ne sais pas du tout, est-ce qu'il s'est inspiré de moi ou c'est moi qui m'a... Je ne le connaissais pas, Magritte, à cette époque-là. Ou est-ce qu'il a eu la même expérience? Ou la même
Alors je me demande, est-ce qu'il a peint avant 1950 ou après 1950, je ne sais pas. Il faudrait tout de même que je regarde une fois dans son livre. Mais vous étiez un homme fort, un jeune homme fort, très fort, j'imagine. J'étais un jeune homme, oui, assez. Je mesurais 12 cm de plus qu'aujourd'hui. Vous savez, en vieillissant, on se raccourcit, hélas. Dites-moi, si un miracle se passe, et vous vous trouviez à 20 ans de nouveau, vous changeriez quelque chose, vous croyez que vous avez fait des erreurs, ou vous ne changeriez rien? Mais vous savez, c'est complètement différent. Bien sûr, jamais été en France avant. Et l'éducation que nous avons reçue, je crois, aussi bien en Roumanie qu'en Hongrie, datait, j'étais en France sur le planète Mars. Parce que l'éducation qu'on avait, on intéressait pas les paroles à nos parents sans qu'ils nous questionnent. J'ai dû dîner avec mon père, je ne sais pas, peut-être une cinquantaine de fois dans toute mon existence. On était élevé de façon complètement différente. Il était impensable, si j'aurais vécu en Hongrie, que je puisse divorcer 4 fois ce que j'ai fait. Mais ce que j'ai amené avec moi, c'est l'amour de ma patrie. J'ai porté une cravate noire jusqu'en 1976, où je suis devenu français. Et parce qu'il était temps, avec 5 enfants français, avec 4 hommes français. Et mon amour pour la peinture et pour l'art, bien sûr que j'ai amené avec moi, mais il me fallait 26 ans pour que je commence à me sentir français, et je suis devenu français 26 ans après. Et comme la chanson dit, vous regrettez quelque chose ou vous ne regrettez rien? Je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Vous regrettez quelque chose ou vous ne regrettez pas? Je ne regrette pas du tout d'être venu en France. Et comme je vous le disais, pour moi, la chose la plus importante, parce que quand vous êtes clochard et vous voulez arriver, pas à la même vie qu'on avait en Hongrie, mais avoir une vie plus aisée, un peu plus aisée, et comme un clochard, c'est le travail qui était le plus important pour moi. La peinture, le travail, et bien sûr après, les amours des femmes venaient après, parce que j'étais obligé, mes femmes ne pouvaient pas travailler, à cette époque-là j'étais encore un verre au bois, Dadu, la mère de Nicolas, faisait encore ses études de droit quand je l'ai épousée, et je lui ai dit, mais si on se marie tous les deux, il est hors de question que tu puisses continuer tes études. Elle a fini. Et elle s'est arrêtée, mais bien sûr, sans ça, je ne l'aurais pas épousée. Et une fois. C'était une condition? C'était une condition, c'était impassable. Mais pourquoi? Je n'ai jamais laissé travailler aucun de mes femmes travailler. Et la première femme est charmante. On a le plaisir d'avoir rencontré la première femme ensemble avec elle. Voilà. La première femme, c'est la mère du président. De président, voilà, oui. Qui est une dame charmante. Et elle m'a donné 3 fils, Guillaume, Nicolas et François, qui sont tous les 3 des garçons très brillants et très intelligents. Et vous êtes fière de tous? Mais bien sûr. Vous savez, j'ai eu ça allait tout de même assez vite. J'ai eu beaucoup de chance, comme je vous ai dit, il y a le grand Marshall. Mais en relisant mon livre, je ne sais pas, est-ce que vous avez lu mon livre, qui s'appelle « Temps de vie », où je raconte justement tous mes péripéties, ma naissance en Hongrie, comment j'étais élevé, comment je suis arrivé en France, comment j'ai travaillé, etc. Et je l'ai fait pour 2 raisons, cet livre. La première, raconter mon histoire à mes enfants,
parce que je leur ai parlé très peu de mon pays, parce que je voulais pas qu'ils vivent en France comme des réfugiés, mais je voulais qu'ils deviennent des vrais Français. Donc, d'abord, j'ai écrit ce livre pour eux, et deuxièmement, vous savez, il y a 248 livres en France qui étaient écrits en 3 ans sur Nicolas et sur la famille, mais surtout pour Nicolas. Et il y a eu plein de mensonges qui me concernaient, que je ne payais pas mes pensions alimentaires, que je n'étais pas à la Légion étrangère, que je n'ai pas été chez les Préventrés, que pourquoi je n'ai pas changé de nom quand je me suis engagé à la Légion étrangère. Ben, j'avais rien à cacher, donc je gardais mon nom. Et en même temps, je voulais répondre à toutes les accusations qu'on a fait contre moi. Et le résultat, le livre est sorti depuis le mois de mars, et il n'y a pas une seule ligne de critique en disant « ça, c'est pas vrai, ce qu'il a dit ». Il n'y a que la vérité dans ce bouquin. Et vos garçons ont compris ? Vous avez eu un problème avec eux à cette époque-là ? Ils ont compris tout ? Ils ont très bien compris tout. Nicolas n'était pas très content pour que j'écris le bouquin. Il a dit, papa, il y a déjà tellement de bouquins à écrire, pourquoi tu fais encore ? Il était pour la peinture, que je fasse la peinture, mais il était contre le livre. Alors je lui dis, mon chéri, tous les 50 pages que j'ai écrites, je vais te les donner, déposer à l'Élysée. Si quelque chose ne te plaît pas, je le corrige. Je ne parle pas du tout de politique, je parle uniquement de mon livre et de toute façon de ma vie. Et de toute façon, quand le livre sera terminé, tu auras le dernier mot à dire. C'est quand j'ai signé le contrat avec Plomb, c'est spécifié là-dedans que si le président de la République est contre le livre, il ne le paraît pas. Vous aimez la vérité. Vous ne voulez pas cacher rien. Non, je ne voulais rien cacher. Et donc, je lui ai donné les 50 pages par 50 pages par 50 pages. Et à la fin, je lui ai donné le bouquin entier. Alors, comme il n'a rien critiqué, j'ai attendu 3 mois. On se voyait, il me critiquait, alors je lui dis, je pensais qu'il est d'accord, et le livre est paru. Voilà. Je vais vous demander si vous pouvez nous dire le secret. Comment vous avez réussi d'avoir de bonnes relations avec tous vos ex-femmes? Parce que vous avez dit que vous avez été marié 4 fois, n'est-ce pas? Oui, oui, 4 fois. Oui, j'ai eu 7 années de folie dans ma vie. Et c'est de 63 à 70. Entre 63 et 70, j'ai divorcé 3 fois et je me suis marié 4 fois. Ça s'est tout passé dans cette année. Et maintenant, je suis marié depuis 1970 et je suis toujours marié avec la même femme. Mais vous avez, dans cette période-là, vous avez cherché la femme de vos rêves? Vous oubliez toujours mon travail qui était le plus important. Les femmes venaient avant. Après. C'était ça le problème. Et parce qu'il fallait réussir, il fallait quoi de vivre. Et il fallait payer les études des enfants. Je suis arrivé sans rien. Et les femmes que j'ai épousées, ils étaient tous pauvres. Donc il fallait bien que je travaille. Et que je travaille beaucoup. Et vous ne les laissez pas travailler? C'était la condition. Je n'arrêtais pas à travailler. Et même aujourd'hui, à 82 ans, je travaille au moins 8 heures par jour. Mais vous pouvez me dire la raison. Pourquoi vous ne voudrez pas laisser la femme de travailler? C'était quelque chose de... Parce que c'est une éducation hongroise. Vous oubliez que je viens de la Hongrie. Si on avait un retard de 100 ans, de 150 ans, depuis, du point de vue éducation...
Il était hors de question de divorcer en Hongrie. C'est pas pour ça, mon père a certainement eu des amis, mais il y avait hors de question de divorcer. Paul, ça n'existait pas. Mais alors, vous n'aimez pas l'indépendance des femmes? C'est ça la réponse, pas du tout. Écoutez, il me fallait aussi du temps. Pour m'adapter. J'ai refusé parce que mon beau-père, le premier, le père de Dadu, qui était un homme adorable, il voulait absolument que je devienne français. Alors un jour, 3 ou 4 ans après, on avait déjà 2 enfants, je reçois une convocation de la préfecture de police. Je vais à la préfecture et on me dit, mais monsieur, vous avez demandé la nationalité française. Alors je leur ai dit, écoutez, je suis navré, et c'est pas moi qui l'a demandé, je me sens encore pas suffisamment français pour devenir français, il me faut un peu plus de temps pour que je m'intègre dans la société française. Et qui était le cas, parce que 26 ans après, je suis devenu français. Je veux vous demander maintenant, que croyez-vous de l'amour? Comment vous voyez maintenant votre premier amour? Et comment vos sentiments ont changé pendant les années? Vous savez, c'était toujours Dadu. C'était pour moi la plus belle femme du monde à cette époque-là. La première. Il y avait Brigitte Bardot, et je m'appelle que je me baladais dans la rue. Et alors, je me suis demandé si je pouvais épouser Brigitte Bardot, est-ce que tu épouseras Brigitte Bardot ou Dadu? Et ma réponse était à moi-même, mais bien sûr, c'est Dadu. Mais vous savez, le temps s'use, et après 10 ans de mariage, c'est toujours l'année critique, on s'est séparés, mais sans divorcer, et nous avons vécu 3 ans de façon séparée, mais tous les dimanches, j'étais invité chez mon beau-père à déjeuner avec tous les enfants. Ma belle-mère était morte déjà, et dans la semaine, les enfants venaient chez moi tous les mercredis pour déjeuner. Je les voyais toujours beaucoup plus que j'ai vu mes propres parents, parce que j'étais élevé dans un collège, j'étais toujours en collège, et j'avais des nurses quand j'étais petit, et des précepteurs à la maison, finalement, qui nous ont élevés. J'ai passé les 10 ans, alors moi je suis sauf maintenant, j'ai passé les 10 ans avec l'hier de mariage. Mais c'est formidable. Je te félicite, comme ça. Oui. Elle a réussi à refaire sa vie. Non, pas du tout. Elle ne s'est pas remariée et nous sommes restés amis. Et toutes les semaines, on déjeune au moins une fois par semaine ensemble, avec Inès, avec ma femme, et avec Dadu et moi. De temps en temps, ça arrive que je dîne avec elle tout seul ou je déjeune avec elle tout seul, mais on est restés des très bons amis. Inès, malheureusement, n'est pas là, mais elle est charmante. On était tous ensemble à Bruges. À Bruges, oui. Et ça fait 41 ans que j'ai vécu, une moitié de ma vie, et que j'ai passé avec Inès. Que pouvez-vous me dire, vous et l'Altesse royale Prince Paul, de la vie en rose de Paris, parce que je suis sûre que les téléspectateurs romains désirent savoir comment c'était le Paris d'avant. Vous savez, le Bucarest était appelé le Petit Paris. Vous savez ça. Mais on disait ça aussi sur Budapest. Alors, ah, ouais, c'était l'époque de Paris. Ça dépend dans quel pays vous êtes. Alors, chez nous, le Petit Paris, c'était Budapest. Pour nous, le Petit Paris, c'était à Bucarest. C'était à Bucarest. Alors, c'était une fierté nationale. Mais finalement, on se retrouve à Paris. Alors, nous sommes dans le vrai Paris, on vit dans le vrai Paris. C'était comment vivre à Paris? Parce que l'Altesse royale, Prince Paul, vous avez été né ici. Oui, je suis né, mais moi, j'ai quitté la France. Bon, c'est vrai, j'ai retourné beaucoup en France, mais j'ai quitté la France à 12-13
13 ans pour aller vivre en Angleterre. J'étais obligé avec mon père et sa nouvelle femme, mais ma belle-mère. Mais je suis retourné après à Paris un petit peu, dans les années 70. Après, au moment de la Révolution en Roumanie, j'habitais à Paris depuis 2-3 ans. Donc j'ai revécu Paris. Donc on n'oublie jamais le pays où on est né. J'ai pas perdu le français, jamais. Mon père et moi, on parlait toujours en français. Donc j'ai gardé cette langue que j'aime beaucoup. Mais il parle mieux français que moi. je vous ai demandé de la vie en rose de Paris. Vous avez connu Édith Piaf à cette époque-là? Je l'ai connue, ça veut dire pas personnellement. Mais je connais Édith Piaf, effectivement. Et je l'ai même vue une fois à l'Olympia, où elle chantait « Rien de rien, je ne regrette rien. » Ni le bien, ni le mal. C'était un phénomène, que c'était comment? C'était un phénomène extraordinaire. Ces petits bouts de femme avec quelques rares cheveux sur sa tête qui avaient une voix extraordinaire. C'était une grande vedette. Et je crois que tout le monde l'aimait en France. Qu'est-ce que vous croyez? Vous avez vécu mieux à cette époque-là ou maintenant? On se vivait mieux à cette époque ou maintenant? Ah ben, si vous voulez, moi j'ai vécu beaucoup mieux parce que j'étais beaucoup plus jeune. Oui. Alors, si vous voulez, les années même si on continue à... j'avais pas mal au dos, j'avais pas mal aux jambes, j'avais 12 cm de plus, j'avais des jolies femmes. Vous avez toujours une très jolie femme qui est très belle. Mais bien sûr... La vie était plus amusant, plus distrayant que maintenant. Maintenant, j'ai de nouveau la peinture qui m'occupe beaucoup de voyages. Donc, disons que je ne regrette rien. Voilà. Okay. Parlant de la crise économique, c'était dans ces années, c'était plus difficile que maintenant. Vous croyez que non, en 70, il n'y avait pas. J'ai pas senti la crise économique, je l'ai senti il y a 4 ans, beaucoup plus, il y a 4-5 ans, et encore aujourd'hui, la crise nous touche, ou tout le monde, surtout la classe moyenne que nous sommes, les pauvres et la classe moyenne, ça la touche beaucoup. Plus touchés. Mais vous croyez, comme une espérance pour les téléspectateurs romains qui sont vraiment touchés par la crise économique, vous croyez que ça va finir, je ne sais pas, dans le prochain futur. Peut-être pas en 2011, mais en 2012. J'espère que ça va se terminer, on espère pour tout le monde. C'est pour ça les réformes qui sont faites actuellement. Je trouve pour le président, par le président, sont primordiales parce qu'on ne peut pas continuer à vivre avec un pays qui est couvert de dettes, c'est impossible. Je veux vous remercier à l'Altesse Royale, le prince Paul de Roumanie, parce qu'on va finir maintenant l'interview et on va aller connaître votre partenaire, monsieur Werner. Oui. Et dans votre atelier, connaître vos œuvres. Avec plaisir. Je voudrais me montrer la différence entre... Ça, c'est ce que vous faites maintenant. Oui, ça, c'est des tableaux que nous faisons ensemble. Et ça, c'est... Ça, c'était en 1950. 49-50, je ne peux pas vous dire exactement. Je peignais de cette façon-là et je faisais des portraits, mais je ne sais même pas. Les portraits sont là de Solange, la tête, je ne sais même pas. Mais aucune importance, ce qui est plus important, ce que nous faisons... Non, mais pourquoi on aime bien montrer ça aussi, c'est pour couper des rumeurs qui disent que Paul il est devenu artiste depuis peu, quoi. Et donc, on a plein de tableaux à montrer pour dire, voilà, c'est pas du tout vrai, il a toujours été dans cet univers-là. Et donc, c'est pour ça, c'est aussi intéressant de voir le cheminement, d'arriver à ça, jusqu'à ce qu'il fait aujourd'hui avec moi. Et ça, c'est des tableaux maintenant
que nous faisons ensemble. Alors, on a fait mon couple, on n'a pas encore fait le couple de Werner, hein? Qui va certainement venir de ces jours, mais on n'a pas encore trouvé l'idée, on n'a pas pensé là-dessus qu'on va faire ensemble. Oui, oui. Alors, ici, il y a un autre tableau que j'aime beaucoup aussi, qui est la double personnalité d'une femme. Attention. Qui, vous savez, il y a de plus en plus les femmes, la homosexualité. Et... Mais ça ressemble un peu avec Sharon Stone. Mais c'est une jeune femme, très, très jolie jeune femme, se regarde dans le miroir et elle se demande est-ce que c'est un garçon, est-ce qu'elle est garçon ou est-ce qu'elle est fille. Elle ne sait pas. Parfois, on se pose la question. Hein? Oui, elle se pose la question, je suis un garçon ou je suis une fille. Et vous voyez, avec ces techniques, ça permet de mettre... Ça, c'est un ancien tableau à nous qu'on peut remettre dans un nouveau tableau. Hein? Ça, c'est Happy Dolores. Ça, c'est un style un peu nouveau, ça, celui-là. Ah ben, tout est, est nouveau dans... Mais écoute, tu sais que quand tu regardes les derniers tableaux, on évolue tout de même. Quand tu regardes celui-là, le coq, ou tu le regardes, la tour Babel, c'est tout de même, on voit une évolution. C'est les tableaux qui sont... Oui. Et cette tableau, si la lumière vient derrière, on ne le voit pas. Mais vous pouvez nous expliquer le procès technique? Oui, le procès technique, c'est toujours comme ça. Oui, ça ne change pas. C'est toujours ça veut dire chose. Autre chose. Je veux dire, oui. En général, il faut dire un tableau est un tableau, n'importe comment c'est fait. Parce que le fait toujours de poser la question comment c'est fait... D'accord, on comprend parce qu'il y a une nouveauté, donc les gens se demandent comment ils font. Mais la première question devrait être, est-ce que je suis touché par le sujet qui est traité? Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça me concerne? Comment faire quelque chose de nouveau? Et c'est toujours le cas quand on est parmi les pionniers dans quelque chose. C'est comment c'est fait qui est en premier lieu. Bon. On peut bien l'expliquer, mais je vais dire, ça n'explique pas les tableaux, parce que les tableaux... Ça n'explique pas le talent. Așadar, ați urmărit această ediție specială în deschiderea seriei La Vie en Rose. Iar de săptămâna viitoare vă așteptăm la aceeași oră, de data aceasta în studio, pe meleagurile noastre, în micul Paris, încercând împreună, așa cum spuneam la început, să învățăm să trăim frumos, să iubim, să credem în celălalt, să sperăm și să vedem jumătatea plină a paharului în tot ceea ce facem. Dragii mei, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă aștept vinerea viitoare să trăim împreună La Vie en Rose. La revedere! A repeta roșu și negru, parcă irisul domino și eram și noi cu